Trackmania Cup. Là, vous vous dites non, c'est pas Trackmania, sinon il y aurait. Wouah, en fait, si. Ok. Non, bref, Wingobert, merci pour tout une fois de plus, tu es un grand fou. Ah, il y a Wingobert. Ah, Wingobert, il coupe son live parce qu'il veut voir la bêta de WoW Classic. Mais en fait, on va pas faire ça du tout. En fait, on va peut-être faire une nouvelle map. Alors, vous m'avez gavé. Voilà, je vous le dis. Je commence ce live avec un coup de gueule. C'est quoi ça? Bah, c'est rien, bon, on supprime. Voilà. Je commence ce live avec un coup de gueule. Hier. C'était hier? On est quel jour? Avant-hier, j'ai créé la première map de la ZRT Trackmania Cup 2017. 19. Je sais pas pourquoi je dis 2017. ZRT Trackmania Cup 2019. Et savez-vous quoi? Hein? Quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque. Lorsque nous découvrûmes avec l'administration que. Mesdames et messieurs, vous êtes chiants. Pourquoi vous êtes chiants? Vous êtes chiants parce que, regardez, on a mis en place 5 serveurs pour la Trackmania Cup. On s'est dit, ça suffira. Mais ils étaient pleins. Alors on s'est dit, on va mettre en place 10 serveurs. Et ils étaient pleins. Donc on a mis en place 20 serveurs en disant, ils vont arrêter de nous gaver. Et ils étaient pleins. Donc maintenant, on va dans le jeu en ligne. Et quand on classe par population sur Trackmania, il n'y a que des serveurs ZRT Trackmania Cup. Mais les gens ont le droit de jouer à autre chose. Bon, ils sont plus tous pleins maintenant. C'est-à-dire que là, voilà, vous avez le serveur 10, 16, 11, 14, il y a un peu de place, c'est bien. Donc merde. C'est juste chiant. C'est juste chiant. Bon, évidemment, l'élite se connecte sur le serveur 1, évidemment, hein, vous avez l'habitude. Serveur 1 tiers. Mais voilà. Et donc, vous m'avez gavé. Je vous le dis, vous m'avez gavé. Alors, j'ai fait 2-3 runs, histoire d'avoir un temps. Histoire de quand même avoir un temps. Voilà, mais pas un temps correct, hein. Un temps à chier. Un temps à chier. Mais par contre, j'ai eu une info intéressante. J'ai eu une info intéressante de la part de Nadeo. Savez-vous que depuis que Trackmania a été créé, Trackmania 2 Stadium, le record de joueurs en même temps simultané sur le jeu a été battu hier. Et ça, en vrai, ça me fait trop plaisir. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de joueurs sur Trackmania depuis que le jeu a été créé. Hier, en fait. Donc c'est le record. Record absolu. Donc c'est cool. Moi, je trouve ça cool. C'est très cool de voir que c'est très cool de voir que le jeu est encore hypé et joué. Trop stylé en vrai. Combien par rapport au précédent record? Alors attendez, j'avais le chiffre. Je vous le donne parce qu'il y a un chiffre de Steam Charts, mais Nadeo m'a donné un vrai chiffre avec avec encore plus de gens. Près de 4500 joueurs sur ma map en simultané et en comptant le solo. Voilà, parce que eux ils ont les chiffres, ils savent combien de gens jouent en solo également sur le jeu. Donc 4500 joueurs en même temps sur le jeu en train de jouer à Trackmania. Voilà, c'est incroyable. C'est incroyable et c'est fou. Sachez aussi que pour info, il y a déjà plus de 20 000 personnes qui ont testé la carte. Il y a déjà plus de 20 000 personnes qui ont testé la map, la première map. Et donc voilà, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable honnêtement et voilà. Donc je suis assez surpris et c'est trop bien. Onsibuno qui offre 3 subs random à l'Azerator Télévision. Merci pour has gifted 3 subs. Il n'y a même pas le message modifié, ok. Donc c'est cool. C'est vraiment cool et voilà, donc coup de gueule mais pas trop quand même. Non mais si, coup de gueule un peu quand même. Donc voilà, donc merci à vous, c'était chouette. Donc ça c'est le premier truc. Ensuite, qu'est-ce que j'ai remarqué? Bon alors très cool, hein, très cool. Les gens ont beaucoup joué sur la carte, vous voyez, si on regarde un petit peu les records ici, on voit que Scrappy est actuellement le détenteur du record du monde avec un record en dessous des 43 secondes à 42,878. On a 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui ont réussi à faire en dessous de 43. C'est Blackpink, Bren, Carl Jr, Aurel et Scrappy. Alors je sais pas qui est Blackpink honnêtement, je connais pas. Après on a des noms qu'on connaît quand même hein, dans les 10 premiers. Pax, Snow, Badlulu, Coco et Jaja. On connaît tous ces gens, je connais tout le monde. Mais Blackpink, je sais pas qui c'est. Donc sûrement un alien, mais en dessous de 43 en tout cas. Donc je sais pas qui c'est, ça se trouve c'est quelqu'un que je connais qui a mis un autre pseudo. Merci pour les 2 ans de sub d'Orandil, merci beaucoup. Et voilà, donc aucune idée de qui c'est. Et c'est génial. C'est un groupe de K-pop. Alors non, enfin oui peut-être, mais là je veux savoir qui est ce joueur en fait. Voilà, rien à foutre, mais mais en tout cas, voilà, en tout cas, il vient évidemment pas de cette planète, puisque bien sûr il a fait en dessous de 43 secondes. Mais voilà, nous l'appellerons Michel. Donc merci Michel. Cinquième temps. Et voilà. Donc moi j'ai fait 46,815. Bon, je voulais quand même être en dessous des 1000 places. Mais vous savez que le niveau est incroyable. C'est-à-dire que, en gros, je me suis dit, bon déjà, si je fais à 2-3 secondes du record du monde, c'est pas mal. Là, je suis à 4 secondes du record du monde. Et je suis 835ème. Le level
Honnêtement, la run où j'ai fait 46-815, j'étais fier. Hein. J'ai fini, j'étais en mode putain, yes et tout. Bon, j'ai pas joué beaucoup, mais j'ai quand même fait un bon temps. J'étais en mode putain, yes. Et franchement, il y a un niveau de fou. Wingobert host mon stream avec 1489 viewers. Merci, truc de fou hallucinant. Bienvenue à tous les viewers de Wingobert. Vous pouvez y aller hein, si vous avez un sub chez moi et que vous avez les mots de banane. Vous pouvez y aller. Tu es avec Domingo, cherche des poulains sponsorisés pour la TM Cup. Ah ouais? Trop stylé. Il avait pensé à Ayako ou Bad Lulu. Bon, Domingo cherche des poulains sponsorisés pour la Trackmania. Ah ouais, il a fait un tweet ou quoi? Attends, mais c'est quoi cette histoire? Je savais pas. Attendez, je vais le retweeter. Parce que j'ai retweeté beaucoup de tweets de structures qui cherchaient des joueurs. Parce que je trouvais ça cool. Voilà. Il l'a dit, il a fait quoi? Il a fait un tweet? Il l'a dit en live. Ah, mais il devrait faire un tweet. Le mieux, ce serait qu'il fasse un tweet. Comme ça, je pourrais le retweeter. Parce que c'est compliqué. Et puis, je sais pas comment il compte se faire contacter ou quoi que ce soit. Donc voilà. Ok, merci de nous avoir RT d'ailleurs, c'est un temps. Ouais, mais voilà, j'ai pas retouté toutes les structures. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon, allez, ça suffit. J'en avais sur 4 ou 5, mais pas toutes. Donc voilà, donc aujourd'hui, on devait jouer à la bêta de WoW Classic et décaler ce mapping, mais elle est pas encore up. Merci Silverlight 12. Donc en attendant que la bêta de WoW Classic soit up, on va mapper une deuxième carte. On va commencer une deuxième carte. Je vous promets pas de la finir, c'est un peu ça le délire. C'est un peu ça le truc qui va faire. Qui va énerver quoi. J'aimerais bien essayer une deuxième map et on va voir. J'ai aucune idée de ce que je vais faire comme map. En plus, je comptais pas mapper aujourd'hui, comme je vous dis. De temps en temps, faut que je check le launcher Blizzard pour voir si on me flag sur la bêta de classique. Donc YouTube, ça va sûrement être une fin brutale, hein, très très brutale, la fin de cette VOD, c'est-à-dire cette VOD ou ta suivante, je sais pas quoi. Parce que si ça se trouve, parce que là il est là YouTube pour donner une idée, il est 19h41. Mais si on arrive à genre 23h et qu'il n'y a toujours pas la bêta de Up, bah tant pis, voilà, on aura fait notre map et c'est cool. Je viens de passer l'étude de cas du BTS SEO, le sujet m'a tellement pulvère, j'espère que l'épreuve Trackmania Cup sera minimum qu'au F17. Alors Nartax, trop marrant parce que hier, j'ai reçu, allez franchement sans exagérer, une bonne quarantaine de tweets. Et ça m'a trop, ça m'a ému, je le dis, ça m'a ému parce que j'ai reçu une quarantaine de tweets d'étudiants qui passaient le BTS en culture générale, enfin l'épreuve de culture générale du BTS. Et je crois que l'épreuve de culture générale du BTS, c'était un sujet du genre, est-ce qu'on peut dire que les nouvelles technologies amènent à la solidarité ou un truc comme ça. Et j'ai reçu une quarantaine de tweets en 20 minutes d'intervalle avec des gens qui disaient, putain, j'ai cité The Event à ma copie de culture générale de BTS, trop classe, j'espère que ce sera cool, que ce sera bien et tout. Et donc ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire parce que moi-même j'ai passé un BTS et ça m'a fait rire de me dire que dans le diplôme que moi j'ai passé, des gens m'avaient cité. J'ai trouvé ça rigolo et plein de gens m'ont fait un tweet en mode putain, c'est à tort, j'ai cité The Event. Alors j'espère que ce sera pas trop hors sujet, les gars. Hein. Donc voilà, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'était vraiment cool. C'était vraiment marrant et j'en ai reçu vraiment beaucoup. Des fois, j'ai des mecs qui me disent oh là là, dans mon sujet de machin, j'ai cité Zerator, j'ai cité machin, j'ai cité un truc. Oh, dans mon sujet d'anglais, j'ai fait ça, je sais pas quoi. Mais là, c'était vraiment flagrant. C'est-à-dire, à un bout d'un moment, j'ai ouvert Twitter et j'avais genre bam, 30 notifs de personnes qui disaient oh là là, trop marrant, j'ai cité Zerator, enfin, j'ai cité The Event dans ma copie, etc. Et j'ai trouvé ça trop marrant. D'après ce que tu dis, si c'est hors sujet, ce serait vraiment injuste. Je sais pas si c'est exactement ça le sujet. Mais voilà, j'ai fait ça en oral de langue au bac. Bah ouais. Non, dans ma composition de maths, j'ai cité The Event. Ah oui, non. Hein. Calmez-vous. Yes. Vous faites chier les BTS SEO des deuxième années, vous prenez toutes les salles des PC. Oui, bon, ça va. Est-ce que tu as reçu un mail pour savoir que tu as été choisi à la bêta de WoW Classic ou pas encore? On parlera de la bêta de WoW Classic plus tard, j'ai des informations à vous communiquer, notamment sur les dates de bêta, qui va être pris à la bêta, pourquoi je suis pris à la bêta, et voilà. Mais on parlera de ça plus tard, là, honnêtement, ça sert pas à grand chose d'en parler parce que je pense, enfin, j'aimerais bien qu'on essaie de faire une map, je pense qu'on a le temps, et je pense qu'on va faire une map de terre! Je pense qu'on va faire de la terre, j'ai envie de faire de la terre. Moi, vous savez, je déteste la terre, mais cette année, faut faire de la terre. Hein. Cette année, si on fait pas de la terre, les amis, cette année, s'il n'y a pas de terre, les amis, ça va pas. Cette année, il faut faire de la terre. Donc cette année, ce sera de la terre. Alors, je sais pas si on va remettre des bumpers et tout. Tout de suite, j'ai sélectionné mes bumpers, mais voilà. Par contre, j'ai un truc à vous dire, un truc hypant. J'ai... c'est mini-annonce. Non, c'est pas une annonce. Mais en gros, Nadeo, ils m'ont dit, au fait, ça tombe bien que tu mappes pas ce soir parce que pour demain, on t'a préparé des nouveaux trucs. Et ils m'ont pas dit ce que c'était. Ils m'ont dit... on préfère te laisser découvrir en live, mais on t'a préparé des nouveaux trucs. Et j'étais en mode yes. Donc ouais, donc j'étais hypé. Ils m'ont pas dit ce que c'était, mais ils m'ont dit qu'il y aurait des nouveaux trucs.
Et franchement, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc on verra. Départ. Un départ. Ici. Non, vous savez quoi ? Un départ. Ici. Donc je suis hypé. Un peu forte la musique peut-être. Oui, on est sur... On est sur un fond de mapping, hein, bien sûr. Donc voilà, c'est parti. C'est parti pour le mapping de la deuxième map de la ZRT Trackmania Cup 2019 qui aura lieu le 29 juin au Zénith de Strasbourg. Venez nombreux acheter des places. Billetterie ouverte le 22 mai. C'est quand ? C'est dans une semaine pile. Dans une semaine pile ouvre la billetterie de la ZRT Trackmania Cup. Une seconde, j'active un truc essentiel. Du WoW, du Trackmania, en tous les cas, bon live. Du coup, ça va être un truc de fou, des bisous. Bah, c'est clair. Non, mais en gros... Oh, putain, on peut faire ça, bah yes. Bah voilà, fin de la course. En gros, regardez le titre du live et vous avez toutes les infos dedans, d'accord ? Si quelqu'un arrive et dit « Ah, oh, bah, je croyais qu'il devait faire du WoW ce soir », vous lui dites « Bah, n'hésite pas à lire le titre du live, c'est génial !» Alors, c'est de la dirt, mais là, on fait pas de la dirt, donc calmez-vous. C'est où la dirt ? C'est là. Bah yes. Trop bien. Trop bien, en vrai, trop bien la dirt. Non, mais la dirt... Alors, moi, je me suis découvert une passion pour la dirt depuis le... Depuis quoi ? Depuis le... Mais si, vous savez, le truc. Depuis Zilan, parce qu'il y avait une map dirt, et figurez-vous que je la maîtrisais plutôt bien. Donc j'étais assez content, il va refaire des Mordor en terre. Ah non. Ça vous a pas plu, hein. Mais c'est la faute de Jérémix, en vrai, hein. Moi, je me dédouane totalement de cette porte du Mordor un peu trop fatale. Déjà, si j'étais vraiment un mec pas très sympa, direct, je ferais un virage comme ça, quoi. Pardon. Je ferai un virage comme ça, et là on aurait direct un virage où les gens peuvent tomber et tout, c'est vraiment de la merde. Mais non, on va quand même essayer d'être raisonnable. Ou alors... Oh, je sais. Non, calmez-vous, c'est pas parce que je dis ça avec un air genre machin que tout de suite ça va être horrible. Non mais en gros, on pourrait faire un truc. Attendez, faut que je fasse des essais. Ok. Du coup, si TM des sous... Si TM des sous, on connaît les beaux. Ah oui, si Trackmania, alors on donne des sous, on connaît les beaux, c'est ça ? Ah ouais, ok. Pas facile, hein. Mais merci beaucoup, Sparfo. J'ai compris. J'ai envie de faire un truc, mais vous allez pas aimer. Attendez. Je sais que quand je place ça tout de suite, vous vous dites « Non, pitié !» Mais attendez. Il faut que je teste. Attendez. Attendez. Ouais, non, c'est chaud. Attendez. C'est non. Explication, s'il vous plaît. Quelle horreur. Attendez, mais parce que là, vous dites ça parce que vous êtes en colère, mais en vrai, non. Attendez. Oh, tout de suite, ça y est, on place un petit tuyau. Merde. Tout de suite, on place un petit tuyau et ça y est, tout se casse la gueule. Ça y est. Franchement, vous êtes bien dissipé aujourd'hui. Laissez-moi vous soigner. L'an dernier, on a fait une map trial. Cette année, on pourrait faire de la trial en dirt. Moi, ça me semble bien. Mais est-ce que c'est faisable ? C'est de large faisable. Suffit de freiner un peu. Ok, parfait. Nickel. Allez hop, un petit virage. Bah désolé, hein. Alors non. Non, mais parce que... Vous inquiétez pas. Alors attendez, parce qu'on va mettre des checkpoints et tout, évidemment, hein. Évidemment. On va se calmer. Voilà. Parce que sinon, je vous connais, Vous êtes des petits filous, vous allez éviter les checkpoints. Est-ce que d'ailleurs pour le lore on pourrait faire ça ? Ah non, pas du tout ! Ah non, pas du tout. Comment on pourrait faire ça ? Du calme. Faut valider après. Oh ouais, valider, pas de problème. Souvenez-vous de la map trial, j'avais mis 16 minutes à la valider. Mais maintenant qu'on connaît un joueur tuyau et qu'on connaît les beaux, voilà. Ça va le faire, y'a aucun problème. Y'a absolument aucun problème. Mais là en plus c'est au tout début. Parce que les tuyaux de la première map trial, ils étaient au deuxième checkpoint. Là ils sont directs, au moins ça vous calme et après vous êtes tranquille. Non mais cette année j'ai décidé de faire des maps dès le début qui annoncent la couleur.
au moins les gens ils comprendront que Trackmania c'est pas fait pour eux et que voilà, il faut partir sur un autre jeu, que ça y est, ça commence à bien faire, mais il y a pas de souci. Il y a pas de souci. Non, alors juste là par contre, faut faire un truc où effectivement la route est un peu surélevée, sinon les gens vont tricher. Les gens, ils aiment bien tricher. Ils aiment bien tricher à Trackmania. Mais moi je connais les beaux. Je connais les beaux pour pas les faire tricher. Donc il y a aucun souci. Vous voyez genre ça. Vous voyez ce bloc là? Bah ce bloc là, vous vous dites on peut tricher, on peut passer là. Mais si on fait des petites barrières, bah il y a aucun problème. De toute façon, il y a le checkpoint là, donc a priori, il n'y a pas de souci parce que là vous vous dites ah bah ouais, c'est facile, on monte là et tout, on descend. Mais non, attendez. Parce qu'évidemment, on va mettre alors pas des parasols hein, on a passé l'âge de mettre des parasols, mais des petites barrières comme ça. Alors le problème c'est qu'il y a ce gros truc jaune tout moche. Ah ou alors on pourrait faire un truc marrant. On pourrait faire une barrière en biais comme ça. Hop, en mode bah non. En mode c'est non. Soulève son troisième titre. Merci Schnaou pour les 3 ans de sub. Passe là. Passe moyen. Ça tout Bagara Jones ma host, j'avais tellement d'émotions que j'ai switché de scène. Merci Bagara Jones pour le host. On est en train de faire une nouvelle map pour la ZRT Trackmania Cup 2019. Mesdames et messieurs, je vous invite à lire le titre du live et vous comprendrez tout ce qui se passe. Il est possible qu'on arrête de mapper à un moment. Donc calmez-vous. Calmez-vous, mais merci à tous. Merci beaucoup à Bagara Jones pour le host. Merci évidemment. Petit parasol là peut-être. Non. Je vais mettre un parasol genre là. Après c'est juste de la décoration, vous voyez, c'est pas forcément... pas forcément de la... Voilà. Hein. C'est pas forcément une information que je vous donne. Ce genre-là, il y a des parasols. Après, on pourra faire tout un stand, hein, des foires à la saucisse, des trucs comme ça, mais pour l'instant, non. La dirt. Oui, la dirt. Oui, la dirt. D'ailleurs, attendez. Faut que je fasse un truc parce que j'ai des panneaux. Hein. J'ai des panneaux. Souvenez-vous, hier, on a commencé à utiliser des panneaux d'indication. Donc là, je pense... Est-ce qu'on le voit bien celui-là? Ah, on le voit pas très bien. Attendez. Je pense qu'on pourrait le mettre. Non, peut-être pas ici. On va le mettre genre là. Ok, ça c'est bien. C'est non. Ça c'est bien, c'est non. Si, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Qui a fêté ses 4 ans de sub? C'est Lali Lalou. Non, c'était avant. Putain, j'ai raté, quel connard. Merci beaucoup, t'as été très pertinent. Innovaz vient d'offrir 10 subs dans votre chat. Merci beaucoup, bravo, incroyable. Merci à toi pour les 10 subs offerts à la Zerator TV. Incroyable de générosité en ce moment. Merci beaucoup, merci de votre soutien. Là, on va se mettre un petit direct. On va se mettre le panneau des checkpoints que j'aime bien. Paf, et on va les habiller. Donc, c'est où? Ils sont où mes panneaux? Ils sont où mes jolis panneaux? Voilà. Donc là, celui-là, c'est comme ça. Et alors celui-là, par contre, celui-là, on peut lui mettre un truc oui. Assez intéressant. Oui. Merci pour l'un an de sub. C'est où? Voilà, c'est là. On peut lui mettre ça. Voilà, Dirt Incoming. On me dit dans l'oreillette que non. Ah, signe que non. Donc ça, c'est bien. Donc Dirt Incoming bien sûr, parce que c'est à partir de là qu'on va commencer de la terre. Caligure, merci pour les 2 ans de sub. Pouette, 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 pouette. Bon ça je vous parlerai du lore de la map plus tard. Mais oh, ça a effacé tous les parasols. Bon on peut pas mettre de tuyaux ici malheureusement. On parlera de tout ça plus tard. C'est génial. Après c'est vrai que ça divulgâche un peu la course. Mais il n'y a pas de souci. On travaille fort là-dessus. Ah non, je voulais le mettre... Non, en dessous. Voilà, génial. Excellentissime. Ça, c'est excellentissime. Faut juste que la transition soit pas trop horrible. Mais normalement, ça va le faire. Un petit saut comme ça, là. Paf. Voilà, nickel. Non, c'est bien, ça. Pourquoi je... C'est pas grave, je reprends ça. Pouette, 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 pouette. J'ai pas forcément d'idée, hein. Vous savez, je map comme ça me vient. Donc y a pas de problème. Merde. La légende raconte que si t'es Zerator, les events dans sa copie rapportent un 20 sur 20, du coup je l'ai fait. Ça c'est sûr que non par contre, mais pourquoi pas, hein. Faut tenter.
Non, faut pas tenter. Globalement, dans les études, c'est pas trop l'endroit où on te dit, ouais, faut tenter, tu vois. Il y a des méthodos, des règles strictes. Bon, là, je suis désolé qu'il y ait un poteau au milieu de la route, mais fallait bien tenir le panneau. Hein. Je suis désolé. C'était pas possible de creuser à cet endroit-là, zone inondable et tout, donc bon. Après, c'est pas ma faute. Moi, si le jeu permet pas de creuser à cet endroit-là, je peux pas creuser à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, je peux pas tout faire. Je peux pas tout faire. En plus, si on met de l'eau, ça casse tout. Enfin, voilà, je. Vraiment, j'ai fait mon max, mais au bout d'un moment, je peux pas. Je suis pas magicien, quoi. Je suis pas magicien. Donc voilà. Ah merde. Ça enlève quoi là? Ah bah ça enlève cette fin de tuyau. C'est marrant ça! Alors qu'on pourrait le faire en mix mapping, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Ah ouais, il déteste. Il déteste. Il me voit rouler, il déteste. Ah le lore. Évidemment. Les égouts. C'est pas mal du tout. Dirt incoming. Bien, alors oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors là, on a quelque chose de très intéressant. D'ailleurs, attendez, on va voir. En termes de transition, comment ça se passe? Oui. En vrai, c'est facile. Merci Fondzed pour les 1 an de sub. En vrai, c'est facile si vous freinez. C'est-à-dire que là, si je vais vraiment à fond. Ah, même à fond, ça se passe presque. Si je vais à fond, c'est galère. Ah, les barrières ont disparu pour le cut. Après, en vrai, est-ce que c'est vraiment worse? Parce qu'il y a quand même un checkpoint. Oui. Oui, c'est worse quand même. Merci Platine78. Je pense que c'est pas worse quand même. Oh, dégueulasse. Ah, la transition entre les deux fait mal. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait là? Reviens. Reviens ici. Voilà. Ah ouais, en fait, les transitions sont horribles. Les transitions sont horribles. Ok. Moi, si les transitions sont horribles, on fait pas. Hein. J'ai pas envie que les transitions soient horribles. Ça m'intéresse pas. Mon but, c'est que ce soit cool. Et là, en vrai, s'il n'y a pas de transition, ce sera plus simple pour faire ça. Et donc, les deux barrières ont disparu. Oh, j'aurais dû les placer. Pff, chiant, ça. Pourtant, je pensais que dans les éléments un peu cheesy comme ça, on s'était forcément placé en mix mapping. C'est où? C'est là. Non, j'avais galéré à les placer, en plus. Eh ouais, bah ouais. Ah, la vache. Ok, c'est pas grave. Bravo! Bravo! Joker Thief! Merci pour les 5 subs random offerts à la Zerator Télévision. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta générosité, Joker Thief. Bravo! Son de Cuphead. Tu es Cuphead. On y va. J'essaie de le faire un peu plus rapidement que. En freinant vraiment au début. Ouais, c'est bon, ça passe. Faut trouver comment ça passe, mais ça passe. Bon, très bien. C'est parfait. Bon, après, moi, j'ai pas envie de vous faire la trajectoire optique, j'ai envie de vous montrer comment ça marche. Hein. Chacun ses stratégies hein, pour gagner la Trackmania Cup, hein, joueur tuyau et tout, vous trouverez. Hein. Ok, très bien. Bon, là, on va pas faire un dirt slide quand même. non. Ah, quoique, hein, moi, ça m'irait bien un dirt slide direct. Un grass slide dans la dirt, on dirait dirt slide, j'imagine, non? J'imagine. Ah, oh, ça me paraît compliqué, ça. Ok. Eh ben, j'ai une idée pour ça. Oui. Oui, j'ai une idée pour ça, oui. Y'a un problème? Merci, Axe, pour les 1 an de sub. Non, en fait... Ah non! Mais non, c'est pas la peine de faire ça en fait. Oh, c'est dégueulasse! Non, mais y'a pas de problème, de toute façon, je veux le faire ici. Voilà. Et là, je sais pas si là il va me faire quelque chose avec ça. Je m'en fiche en fait. Je sais même pas si ce sera worse de grass slide là-dessus. On verra. Mais là, je peux pas faire ça. Ah ouais, parce qu'en gros, avec l'herbe, il déteste. Ah ouais, il déteste! Ah, c'est marrant ça. Attendez. Ah, c'est marrant ça. Ça, c'est bien marrant. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais enlever l'eau ici. Et remettre ma petite terre comme ça, voilà. Et voilà. Et là, comme ça, je fais ça. Voilà, et là, ça suffit.
Là, ça suffira bien. Parce que là, en fait, je fais ça. Et là, c'est bon. Et c'est beau, en plus. Juste grandement apprécié que tu ne divulgachasses pas le contenu du nouveau dictionnaire par ta logorée grand seigneur du... successeur de l'écran cathodique. Bah ouais, mais sauf que c'est bon. En vrai, ça divulgage pas tant que ça, en vrai. Parce que si on ouvre les yeux, on n'est pas si divulgaché que ça. Attendez. Ah, à mon avis, le grass slide, là... là, il est bien. Ah, il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire vraiment sympa. Mais je pense que si on recule d'un bloc, c'est encore mieux. Attendez. Petit message pour te remercier des lives qui m'ont aidé. Moi, c'est difficile. J'ai pas réussi à mettre le message avec des dons de sub. Avec des dons de sub. Ah oui, on peut pas mettre de message avec des dons de sub. C'est normal. Pas de problème à toi. Enfin, pas de problème. Non, pas à toi. Pas de problème tout court, en fait. Tant mieux. Qu'est-ce que... on peut enlever ça ou c'est mort? Ouais, c'est mort. Là, je suis coincé. Hein. J'ai bien compris que... ah non, voilà. Yes. Ok. J'ai réussi à servoter le jeu. Voilà, yes. Voilà, faudra mettre un petit checkpoint. Mais là, on va mettre un checkpoint en rond, croyez-moi. On va trouver un truc. Parce que là, ce qui serait marrant, en fait... enfin, non, pas marrant, mais en gros... ce qui est logique et pratique, c'est d'avoir effectivement... alors, pas celui-là, mais l'autre... comme ça, voilà. Je sais pas, je me rends pas compte. Ah non, c'est un peu de la merde. Faut aller vite, faut aller plus vite que ça. Cela dit, si je mets deux turbos, on s'amuserait plus. On s'amusera plus, pardon. Oh là, par contre, là, putain. Ah, ça a tout... d'accord, ça a tout niqué. Yes. Alors que là, non. Please stop. Non, mais c'est trop bien. Je fais cette donation pour mon anniversaire, sinon super cette main. Bon anniversaire. Yes. C'est ton anniversaire. Salut. Juste pour te dire... oula, alors attends. Je peux te dire, après des mois et des mois de préparation et de passage d'examen, la Trackmania Cup sera le premier événement auquel je compte assister de toutes mes vacances. J'espère que tu te sens aussi flatté que ce que j'en ai hâte. En vrai, ce que tu fais pour ce milieu est incroyable et tu nous prouves à... je nous prouve à tous qu'avec de la volonté et de l'intelligence, on peut faire grandir une communauté. J'aimerais te remercier pour ça. Et vous êtes sérieux avec vos pavés César, bande de connards. Merci à toi. Medriel 7. Eh ben écoute, j'espère t'y voir. Non, c'est pas mal cette histoire de grass slide, ça me plaît beaucoup. Bon, ils le feront mieux que moi, mais vous avez compris le principe. Vous avez compris le principe. Ok, grass slide sans grâce, exact. En tout cas, ça, si on le fait sans grass slide, on sera peut-être worse hein, de le faire sans grass slide en vrai. Hein. Là, je suis à 9,54. Ah, là, j'ai été nul, mais vous comprenez le principe. 9,45, c'était même mieux. Oh putain, dégueulasse! Dégueulasse! Faudrait aller encore plus vite. Ah, faudrait aller encore plus vite. En fait, il faut que ce bloc soit un turbo après le checkpoint. Ah, remarque, il sera peut-être un peu trop plat. Trop... je sais pas si du coup on va pas toucher le... attendez, calmez-vous. Raté. Ouais, là j'ai fait 8,68, c'était mieux, mais... ah, dommage! Ça aurait été bien, ça. Mais vous voyez, un truc comme ça. Oups. Par contre, si tu rates, c'est fatal. Hein. Oui. Oups. C'est fatal, oui. Merci, Warlord 12. Yes. Il y a trop de participants. Je pense qu'il faut que ce soit le plus dégueu possible pour équilibrer ça. Jamais!
C'est jamais dégueulasse, c'est toujours pertinent. Le mot qui m'est venu, c'est pertinent. J'ai pas de meilleur mot. Bon, j'y arrive plus, mais on va y arriver. Hein. Ah voilà! Ah! Bon, j'ai pas osé retenir le truc, mais 8,73, ça me paraît bien. Bon, et là, de la petite déco. Enfin, pas de la déco, mais je veux dire. Des trucs en mode au fait, c'est par là, quoi. Des trucs en mode au fait, c'est par là. Et là, un petit truc en mode yes, petite création de relief, pyramidal, c'est génial, on se régale. Vive l'e-sport. Qui me. Ah ouais! Ouais, bah oui. Je suis passé de 1m45, 1 minute 45 à 54 sur la première map. J'ai eu l'impression d'être devenu un monstre et que Strasbourg c'était pour moi pendant une demi-seconde. Ça fait plaisir de voir autant de monde sur les serveurs, merci. Est-ce qu'il y aura des sessions de suivi de training des aliens, genre des soirées avec Karl Bren et tout? Désolé si tu l'as déjà dit. Bah, on le fera, je pense. C'est pas forcément prévu, mais ça arrivera. C'est parfait, là, à mon avis. Comme on avait déjà fait ça auparavant avec genre les FFS, les TM Cup et tout. Donc voilà. On crée l'illusion du mouvement grâce à ce magnifique... Non, on l'enlève, c'est dégueulasse. Mais ouais. Par contre, effectivement, il faut mettre un panneau. Au fait, c'est à gauche. Mais ouais. Beta pub. Bon, normalement, on me prévient. Alors, voyons voir. Un panneau, au fait, c'est à gauche. Normalement, la finition, c'est après. Soulève son troisième titre. Merci pour les 3 ans de sub, Vesti. Merde. Tu dis, je peux tirer pour rendre le grass slide worse. Non, mais tout va bien. Ah oui, parce que si tu viens d'arriver sur le live, tu sais peut-être pas. Mais en fait, ça va être dur cette année. Les suggestions. Non, ouais, parce que je sais que vous êtes motivé et tout, mais en fait. Wow, wow, wow! Putain, je me suis vraiment pas assez entraîné sur cette carte pour l'instant. Regardez comme j'y arrive pas, quoi. Pas dingue, hein. Et si tu vois que t'as raté ton grass slide, tu pars comme ça et puis c'est tout. De toute façon, grass slide, c'est un truc de recordman du monde, hein. On crée pas ça pour... Putain, ça fait déjà 24 secondes. En 24 secondes en étant lent du cul, bien sûr. C'est-à-dire que là... En étant une merde sur les tuyaux, 24 secondes. Si t'es un peu plus fort déjà, j'ai essayé de grid, là j'ai fait 10 secondes, typiquement j'aurais fait 10 secondes. Faut dire que les tuyaux bien passés, c'est 10 secondes quoi. A priori, je pense. Faut voir. C'était assez moyen globalement. Ouais, 10 secondes on va dire. Et si j'arrive donc là. Oui. Wow! Attendez une seconde. Oups. Et là, c'est 10 autres secondes. Ouais, une vingtaine de secondes quand même. Hein. Déjà une vingtaine de secondes. Bon, royaume pour une map backward. Ah, ça, pourquoi pas. Hein. C'est vrai que la première backward que j'ai pu réaliser, elle était... Ça fait longtemps. Bravo pour ça, j'ai passé un week-end de malade. Bravo aussi pour ton interview. Je suis absolument le mode de passer pour moi dans le monde de l'entrepreneuriat. Ça fait maintenant 23 que j'ai passé à SRL. Tu me motives, chaque. Jour, attendez mes projets, même s'ils sont fous pour ça. Merci. Juice, yes. Schwarzsteiger! On s'est vu tout à l'heure chez Wingo, Schwarzsteiger. C'était bien toi. C'était bien toi. Ok, très bien. La dirt! La terre! Nous aimons la terre, nous sommes des gens de la terre. Le retour à la terre. Encore un virage. Non. Là, il faut commencer à expliquer aux gens que la dirt, parfois, c'est aussi des virages un peu tricky, genre comme ça. Moi, vous savez, j'aime bien la dirt. Je pense que là, quand t'as vécu ça en termes de dirt, tu comprends ce que le mappeur a voulu faire, quoi. Tu comprends que le mappeur, il est passionné par la dirt. Et ça, c'est vraiment un truc où il faudra savoir faire de la dirt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, GG à Papou, on n'a rien pu faire. Mais pas du tout. On ne dit pas la map est mauvaise, on dit je ne me suis pas assez entraîné.
Vous le savez, ça. Vous le savez, les courses. C'est ma grande passion. Alors, non. Voilà. Merci. Hop, on surélève. J'avais pensé à une structure pyramidale. attendez. Non, mais parce qu'en fait, vous voyez pas l'œuvre dans son ensemble. En fait, là, vous voyez un virage, vous vous dites, ouais, Zerator et tout. C'est vraiment pas sympa, machin. Et en fait, vous voyez pas. Faut prendre du recul. Tout de suite, vous jugez. Et vous prenez pas de recul. Poisson rouge, je viens d'ouvrir 5 subs random à la Zerator Télévision, merci beaucoup. Merci à toi. Une pluie de sub gift, s'il vous plaît, dans le chat. Merci ZRT Gift. Et mot de créer pour fêter, bien sûr, les subgifters. Merci à toi. Donc oui, je disais, vous voyez pas l'œuvre dans son ensemble. Parce que si vraiment j'étais un mauvais mappeur, je prendrais le bloc avec les boss comme ça, et ensuite je ferais ça. Alors qu'en fait, je suis un bon mappeur, et donc je le laisse, mais je vous dis, il y a une explication derrière, il y a une volonté. Il y a une volonté. Et cette volonté, eh bien, elle est de... C'est assez difficile à expliquer, hein, pour être honnête, mais... C'est quoi ce bloc-là, déjà? Ah oui, non, ça, c'est pas amusant, ça. Cette volonté, oui, voilà. Pardon, excusez-moi. Elle est, en fait, d'apprendre à contrôler, eh bien, la dirt. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir... Vous allez avoir la possibilité de contrôler vos mouvements sur la dirt. C'est un peu du plaisir, quoi. Uniquement du plaisir. Donc en fait, il va falloir aller ici, puis revenir, puis aller là, puis revenir, puis aller là. Faut juste voir si ça passe en termes de... Voilà. Et voilà. Ah, c'est un peu lent. Est-ce qu'il y a des bumps de terre? Bon, calmez-vous déjà avec les bumps de terre. C'est un peu lent, c'est-à-dire que là, si on restart au checkpoint, oui. Malheureusement... Ah, ça peut passer. Ouais, si ça va. Ça passe au restart checkpoint, donc tout va bien. Si ça passe au restart checkpoint et en plus en first try, c'est qu'il n'y a aucun souci. Voilà. Et voilà. Allez, c'est parfait. Donc là, vous voyez, par exemple, c'est un one shot. Donc ça prouve que la map est plutôt simple dans son ensemble et qu'il n'y a pas trop de problèmes, quoi. Pour l'instant, c'est une map sans trop de problèmes. Alors malheureusement, je peux pas faire ça parce que ça mettrait des barrières. Donc on va plutôt faire ça. Ah, voilà, nickel. Excellent. Ah, j'ai pas menti, hein, j'adore la dirt. Quand je vous dis que j'adore la dirt, moi je fais pas semblant. Hein. Ça, c'est du lore. Prépare ton meilleur Itchou Shitty Map pour le retour des pros sur Twitter. Ah, là, j'avoue que... Oui. J'avoue que oui. Bah non. Voilà, bien ça. Ça veut dire, attends, je lève mon verre, mais j'y mets quoi dedans? De l'eau, bien sûr. L'eau, la meilleure des boissons. La meilleure des boissons, l'eau. Oh non, c'est moche! Comment on fait? Comment on fait quand c'est moche comme ça? Avec un vrai virage, ça devrait être moins moche. Genre lui. Ah non, bah non. Lui. Oh là là, encore mieux. Encore pire, pardon. Non, mais tant pis, je fais comme ça, voilà, y'a pas de problème. J'ai pas de problème, moi, avec les virages moches. Bon, et là, l'étude de l'œuvre. Merde. Ah non, ça va pas, ça passe dessous. C'est pas un colon. Attendez, laissez-moi m'exprimer, s'il vous plaît. Ah non, ça va pas. Attendez, j'y viens. Hein. J'y viens. C'est parce qu'en fait, normalement... Ah! Oh non, c'est bien ça, j'aime bien, ça me plaît. Voilà! Voilà! Il y a un petit truc, mais c'est pas grave. On est un peu obligé. Ah mais non, mais voilà, excellent! Oh, qu'est-ce que... Hein? Ah non, non, non. On est pas dans une cup tech ici. Faut que les routes aient du sens quand même. Attendez. Hop, voilà. Voilà, donc merveilleux. Aucune symétrie, mais il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça, c'est pas symétrique avec ça. Donc voilà. Enfin, c'est logique. On se retrouve dans Mario Kart. Oh.
Yeah! On se croirait dans Motocross Madness. Vous avez connu Motocross Madness? Truc de fou. C'était un jeu où tu peux faire des figures en motocross. T'avais une sorte de free play où t'avais un terrain avec des vieilles bosses. C'est un jeu, c'est genre Windows 98, c'était il y a longtemps. Meilleur jeu. Meilleur jeu. Je pense qu'on est d'accord. Ceux qui ont connu, meilleur jeu. Le free play, meilleur jeu vraiment. Trop de la bombe. Ok, bon. Écoutez, ça me semble bien tout ça. Alors, il faut bien préciser qu'en gros, là, on arrive quasiment à la fin de la map. Hein, parce que tout ça va être très long à faire. Hein, on est sur une map qui pourrait se terminer ici, en termes d'arrivée. Mais voilà. Non, par contre, ce qu'il va falloir faire, c'est bien sûr... Parce que là, je sens les petits filous qui vont essayer de trouver d'autres routes. Mais en fait, ça, nous, c'est pas notre problème. Parce qu'en fait, on va mettre des checkpoints. Pour éviter ça. Hein. Notamment ici et ici. Et ici. Voilà. Et là, on est un peu obligé, hein. On est un peu obligé, du coup, de faire hop, 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 et de passer par là. Ouais. Ouais, bah ouais, parce que je vous connais. Hein, on pourrait vous forcer, faire des barrières et tout, mais vaut mieux mettre des checkpoints partout. Et voilà. Tu peux plus sauter, au secours. Ah ouais, vous croyez? Attendez, je vais tester. Pardon, c'est vrai. Mais pour moi, si, on peut encore sauter. Ah ouais, non, y a un angle un peu bâtard où tu peux plus. En vrai, on peut, mais c'est vrai que ça complique beaucoup. C'est vrai qu'on est obligé de le faire là, du coup. Ça va pas être évident, ça. Ça va pas plaire, ça. Mais là, c'est parce que moi, j'écoute pas mes gears, donc ça a l'air compliqué. Mais en vrai, c'est hyper simple. T'écoutes un peu tes gears et c'est réglé. Non, en vrai, ça va. Hein. Ah merde, là, faut pas y aller. Non, ça va, en vrai. Faisable mille fois. On serait sur une Zilan, j'aurais enlevé les checkpoints, mais on est sur une Trackmania Cup, donc merde quoi. Juste merde. Juste merde en fait. Je mets des parasols là où on va pas. Hein. Merci Nixo pour le sub tier 3. Yes. Merci beaucoup. Ah, ça on y va pas non plus. Et ça on y va pas non plus. Voilà. Tout le reste c'est bon. Tout le reste, c'est bon. Bon, ça fait combien de temps, là? En plus, j'ai un problème pour ce soir. Le problème, c'est que mon... Content de voir qu'il n'y a pas que moi qui traîne des heures avec son mate pour finir par régler un temps nul et pleurer dans son lit. Non, le problème de ce soir, c'est qu'en fait, je peux pas mettre les maps sur le serveur. Enfin, en gros, je peux pas mettre les maps sur tous les serveurs. J'ai pas mon super admin qui a le script qui met les maps sur tous les serveurs en même temps. Donc, j'ai que le serveur 1. Donc ce sera le serveur de l'élite. Je suis désolé. Donc malheureusement, je vais devoir faire un par un. Donc ce qui va se passer... Pas de checkpoint dans le serpentin. Oh non, je pense pas. J'ai pas envie de mettre de checkpoint dans le serpentin. Donc en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais mettre sur le serveur 1. On fera genre 20 minutes. Et en attendant que la bêta de WoW pop, je mettrai sur les autres serveurs un par un après. Mais d'abord, ce sera serveur 1 élite. Ah, désolé. Désolé, hein. Mais c'est le seul soir, normalement, il y aura peut-être quoi la mettre sur Discord. Ah non, non, mais je la mets nulle part. Non, je la mets nulle part. Mais pas de problème. Après, je vous dis serveur 1 élite, mais à tout moment, en fait, je vais pas sur le serveur 1. Et comme ça, là, les gens qui sont en train de se connecter sur le serveur 1, ils ont le mort. Enfin, bon, on verra, quoi. En gros, on verra. Faudra mettre un checkpoint là-dedans, bien sûr. Ah non, là, il faut mettre un noir. Faut mettre un noir. Parce que les blocs noirs de dirt, c'est vraiment chaud. Moi, je vous le dis, en tant que spécialiste de dirt, je trouve que les blocs noirs, c'est vraiment... c'est vraiment difficile. C'est trop, trop difficile. Hein? Impossible de terraformer. Puis quoi encore? Tu vas placer le bloc si je te demande de placer le bloc, en fait. Y a pas de débat. Il est fou, ce jeu. Malade, ce jeu. Yes, du coup. Du coup, quoi? Ah, voilà, avec pas la même inclinaison exactement. Nickel, ça. Impossible de placer le bloc, c'est ça, il est malade ou quoi? Il est fou, lui. Il est fou. Ok. Très bien, faudra mettre un checkpoint là-dedans, bien sûr, si on met une arrivée qui est là, donc pas loin. Ah, mais bien sûr, voilà! On va finir en bumper.
Ah non. Ah, quoique, c'est vrai que le mettre à l'envers, ça donnerait une mécanique assez intéressante. Hein. Non, là, faut un checkpoint par contre. Putain, ça va loin! Arrivé ici ou quoi? Non, non, ça m'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, calmez-vous. Après, faudrait voir si en le mettant à l'envers, même en restartant au checkpoint, il se passe quoi. En vrai, tu vas quand même en avant. Tu vas en avant, mais pas trop. Ah, ça peut être sympa, dans le sens où tu le mets comme ça, genre. Tu mets l'arrivée genre ici. C'est sympa, en vrai. Attendez, est-ce que ça... Là, j'ai un peu freiné. Est-ce que ça passe en full speed du checkpoint? Ouais, ça passe. Ah, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien. Ouais, ça me plaît bien. C'est... On va faire comme ça. Par contre, le truc, c'est qu'évidemment... T'arriveras de là, t'es content. Merci. Eakoek à 5. T'arrives de là, t'es content, t'as full vitesse. Faut faire gaffe, quoi. Faut faire gaffe. Faut se chauffer. Du coup, useless le CP. Ah bah si, si tu rates l'arrivée quand même. En vrai, c'est facile. C'est totalement trivial. C'est archi casu. Ouais, là j'ai fait full speed et je suis passé. Non, non, c'est hyper casu, c'est hyper gentil comme fin, mais c'est rigolo. C'est une fin de type on s'amuse, quoi. C'est une fin de type vive le gaming, vous voyez ce que je veux dire? Donc, vive l'e-sport. C'est une fin de type vive l'e-sport, voilà. C'est vraiment, c'est sympa. Tu passes cette arrivée, t'es en mode yes. Vraiment, c'est l'arrivée en mode yes. Ça, c'est mon petit truc où j'aime bien mettre les checkpoints. Par contre, est-ce qu'on fait un truc en mode va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche, va à droite, va à gauche? Ouais, je pense, hein. Je pense qu'on est obligé. Hein. Ça manque de parasol dans la pente. Oh non, non. Non, là, on est bien là. Mais j'ai pas encore fait la déco. Enfin, si, un peu, j'ai un peu fait la déco et tout, mais. Il faut un CP au virage noir, effectivement. Un truc, c'est que j'ai pas trop envie de forcer une trash, du coup, faudrait faire qu'il gêne le moins possible. Mais ça va pas être. Ouais, ça va pas être simple. Parce que. Faudrait le mettre là, en fait. Ouais, je pense que là, c'est là où il gêne le moins. Parce que si je le mets là, si quelqu'un prend vraiment full exter, 2 CP liés. Non, pas 2 CP liés. Non, 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 c'est pas la peine. Sinon, je peux mettre un CP orange, effectivement. Oui, oui, mais. Mais. Ah non, parce qu'en plus, je pourrais pas faire ça. Oh, entre. 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 Entre, entre. Du calme. Du calme, tout est possible. Sinon je force une trage et puis tant pis. Sinon effectivement tu le mets là. Pardon, je voulais dire ce serait intéressant. Non mais en vrai là il gênera jamais en plus. En vrai c'est par là que tu passes. Moi je pense que c'est par là que tu passes. Je pense que c'est par là que tu passes. C'est sûr et certain. Ouais ouais. C'est pélier dans le saut des boss. Mais non, mais calmez-vous, vous êtes des ouf. Non, non, mais c'est bien, à mon avis. À mon avis, c'est bien. C'est la vraie bonne trage, mets-le ailleurs. Ouais, oh. Je le mets où je veux. Alors, ça, il faut un poteau, l'arrivée tient pas là. Ah non, mais ça suffit avec ça. On peut mettre des poteaux et une route. Voilà, on sait le faire. Quand même. Pas un peu facile cette fin. Eh oh, eh. Ça doit pas être tout le temps difficile, hein. Souvenez-vous que la meilleure map, c'est la map la plus facile. Bien sûr. Bon après, voilà. On peut faire d'autres concepts, mais... Il manque un panel ZRT Cup sur le CP du début des virages au cas où. Merci Xena. Je n'avais point vu. Et ici d'ailleurs, effectivement. Il en manquait plein. Il en manquait plein. Ok. Piscine à la fin pour nettoyer la voiture. Le problème c'est qu'on pourra pas, c'est trop. On peut faire ça par contre. Il en reste un. Quoi, il en reste un? Je suis idiot ou quoi? Hein?
Ouais, là, je sais, mais là, je peux pas. Enfin, si, je peux pas, je peux faire ça, quoi. Mais bon. Ça donne quoi, là? Ça donne quoi, là? Oh non, c'est bien, ça! Oh ouais, c'est bien, ça, ça me plaît, ça! Bon, à la fin, le podium. Oh, c'est bien, ça. Bon, ça me plaise. Ouais, point, 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 point. Mm-hmm. Yeah, alright, alright. Down. Ah oui, c'est vrai, pas down. Right. Left. Voilà. Ça, c'est bien. Bon, c'est bien, ça. Il en manque un à l'entrée des boss. Mais de quoi? Mais je suis aveugle ou quoi? Ah oui, là! Oh! Heureusement que vous êtes attentifs. Merci à tous. Ok. Bon, YouTube, c'est la fin de cette VOD. Hein. As-tu essayé les bumpers dans l'eau? Oui! Oui, Moldov, nous avons essayé. YouTube, c'est la fin de cette VOD.